Bonjour, je suis Jérôme Giraudet, je suis responsable de la collection Hussard au musée Massé. Je vais vous présenter la nouvelle exposition du musée Massé, Petits soldats, qui relate l'histoire des petits soldats du 18e siècle au 21e siècle. Cette exposition est organisée sur deux supports. Il y a un ensemble de 57 estampes qui viennent toutes de la collection Hussard du musée Massé. Cet ensemble d'estampes montre essentiellement des hussards, bien sûr, mais tout type de soldats français et tout type de soldats et de hussards étrangers, en particulier européens. Et à côté de ce parcours d'estampes au mur, vous avez une vingtaine de vitrines qui présentent les soldats de cartes, les plats d'étain, les demi-rondes bosses, les rondes bosses, les en plomb creux et en plomb plein, et les soldats de différentes tailles, de toutes matières, donc en bois, en sûre, en plâtre, en papier mâché, et bien sûr les petits soldats en plastique aux deux grandes échelles normées. Cette exposition se tiendra au musée Massé tout l'hiver jusqu'au 2 avril. Le choix de la période hivernale est spécifique dans la mesure où ces petits soldats ont fait rêver des générations d'enfants à la période de Noël. On espère faire renaître aussi les vitrines des magasins de jouets du 19e et du 20e siècle. Autour de cette exposition, un certain nombre d'animations vont être mises en place. Il y aura des ateliers, il y aura l'intervention de peintres sur figurines, l'intervention de clubs de figurines qui font du jeu de stratégie, du jeu de tactique, historique ou science-fiction ou fantasy, afin d'accueillir tout type de public et de montrer en fait la variété et l'actualité de la figurine.